bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu de notre nouvelle gamme MTX V2 et plus particulièrement MTX 2 V2. Alors on a la chance d'avoir les deux modèles, donc on va vraiment pouvoir vous faire des comparatifs et voir avec vous qu'est-ce qui diffère, quelles sont les améliorations qui ont été apportées sur la V2 par rapport à la MTX 2 première version, on va dire. Alors déjà, le premier point, ça va être la longueur de canne. Pour ceux qui pêchaient déjà avec des MTX, toute la série MTX en 13 mètres, il nous manquait 20 bons centimètres. On a eu énormément de retours, ça a été corrigé sur cette canne. Alors les 20 cm ont été rattrapés en grande partie sur la talonnette. Donc vous avez vraiment une canne qui fait 13 mètres avec la mini extension. Par contre, toute la canne a été modifiée et rééquilibrée par rapport à ces 20 cm qui ont été rajoutés sur la talonnette. Donc du coup, en ressenti en termes de tenue, de poids à 13 mètres, on a à peu près le même ressenti, sauf que là, on a une vraie 13 mètres. On a 20 cm en plus. Avant, il nous manquait 20 cm. Donc voilà, à 13 mètres avec la V2 et à 12,80 m, on va dire, avec la première génération, on a vraiment le même ressenti. J'ai pas l'impression que ça soit plus lourd, ça se tient toujours aussi bien, la canne a été rééquilibrée. Donc là-dessus, on va être similaire, hormis le fait qu'on ait récupéré nos 20 cm manquants. Par contre, à 5 bouts, 10 mètres, 11 mètres, la canne est beaucoup mieux équilibrée. Ça va se tenir un peu mieux, ça va avoir tendance à monter plus rapidement, ça va être un peu plus rigide que l'ancienne version. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, on perd pas de puissance, on a toujours la même réserve de puissance hein, sur les poissons, ça cintre toujours aussi bien, ça travaille toujours aussi bien que la première version. Ça, c'est les gros points importants, les grosses modifications qui ont été faites sur toute la série V2 d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? Sur alors tous les mandrins, comme on vous l'avait annoncé, tous les mandrins sont compatibles. On est resté sur les mêmes mandrins, donc première génération et V2 deuxième génération. Tous les mandrins sont compatibles sur tous les éléments. Alors par contre, il va y avoir des petites différences. Alors ça joue à 1 cm, 1 cm et demi, mais il y a des petites différences de longueur sur certains éléments. C'est là-dessus que la canne a été retravaillée, a été rééquilibrée. Mais tous les mandrins sont compatibles. Si vous achetez une MTX 2 V2, que vous voulez conserver votre ancienne MTX 2 en canne mulet, c'est tout à fait réalisable. Tous les mandrins sont compatibles et du kit jusqu'au bout sérigraphié, vous pouvez interchanger tous les brins. Au niveau des emboîtements, alors vous voyez sur les V2, vous avez des renforts carbone jusqu'au numéro 7. Alors on a l'habitude de voir ça sur pas mal de cannes, sur les brins numéro 3, numéro 4. Alors ici jusqu'au numéro 7, toute la canne est renforcée sur les emboîtements. Chose qu'on n'avait pas sur les premières générations, sur la MTX 2 première génération. Donc vous avez ces emboîtements sur tous les éléments. Donc, comme sur l'ancienne génération, vous avez les petits marqueurs d'alignement. Donc, la sérigraphie a été changée. Mais c'est toujours pareil, il n'y a rien qui change. Hein. C'est toujours bien d'aligner les marqueurs en face à face sur chaque élément. Et le dernier point important, alors au niveau des kits, hein, même réserve de puissance pour des kits équivalents nouvelle génération, ancienne génération, il y a une chose qui va différer au niveau des kits, même longueur de kit totale. La chose qui diffère, alors pareil, pour ceux qui utilisaient déjà nos gammes MTX, vous avez tous déjà pu vous rendre compte qu'en déboîtant vos kits, si vous les alignez, vous avez votre numéro 1 qui est 10 cm plus court que le numéro 2. Pas bien grave, vous allez me dire, mais pour ranger vos kits ou pour mettre un petit élastique pour les sortir, ça peut parfois être embêtant. Et c'est ça qui a été modifié sur notre gamme V2. Donc le kit fait la même longueur que sur les premières générations. Par contre, voilà, le numéro 1 fait exactement la même taille que le numéro 2. Donc niveau encombrement, rangement, c'est toujours mieux. Donc voilà, là on a
un kit V2, un kit MTX première génération, et vous voyez, si je mets les talons sur le rouleau, toujours pré-monté avec déjà les tulipes, les petits rollers dans les stripas, hein, ça change pas. Et vous voyez, ils font la même longueur. Hein. C'est juste au niveau des emboîtements. Là, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, j'ai un emboîtement ici et un deuxième emboîtement là. Ça a été rectifié, tout décalé de 5 cm pour justement que le bras numéro 1 et le bras numéro 2 fassent la même longueur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les changements, l'évolution, les améliorations qui ont été apportées sur cette nouvelle MTX2 V2. Je vous dis à bientôt, au revoir.